But above all, we pray that their love for you would never fail, and that the fire of the Holy Ghost would burn in them every day. Seigneur, priez pour eux. Il y a cette famille qui a eu des situations difficiles. Il y a des parents qui ont couché le soir. Il y a pas de bonnes petites garçons. Il y a pas de bonnes petites filles. Seigneur, dans le nom de Jésus, on va restaurer les familles. On va essayer de restaurer chaque cœur qui est brisé. On va guérir, Seigneur, chaque pleur, chaque Seigneur Dieu. Alléluia, chaque pleur qui l'a mangé. Chaque coup, Seigneur, qui monte l'eau de Dieu. Parle dans le nom de Jésus, tu es comme ça. Parle ta prière. Parle qui est consolable. Pour qu'un garçon, peut-être qu'il doit être un droit. Qui n'a tout bien sa malhonnête. Seigneur, pas pour pas être bagaille. Tout son pari, c'est pour bagaille. On dit fruit, j'en prie, nous voyons bénédiction. Donc, parle dans le nom de Jésus, restaure les familles à eux. Restaure les familles à eux. Restaure les familles à eux. Dans le nom de Jésus. Parle à blessure. And I bless this congregation. I pray that you would send a lot of rain over their lives. That this church would never be in need. Father God, we declare the blessings from heaven, Father. You said you will bless us in the city. You will bless us in the field. Everywhere we go, you will bless us. So in the name of Jesus, we declare and we decree that great and mighty things will happen because of your word. So Father, right now, as your servant, under the authority of Pastor Charles, in this house, we declare, Lord God, that your name be praised, your name be exalted, your name be magnified from this day and forevermore. In all that agree, we pray this now in the mighty name, the matchless name, the precious name of your Son who died and rose again, the one who sits at the right hand of God, the one who intercedes for us. We pray in the mighty, mighty name of Jesus. Now somebody give him praise for 60 seconds.